Du coup, aujourd'hui, on va se taper la même suite que d'habitude, c'est-à-dire de faire un faux speedrun sur facile. Donc, je rappelle, c'est un faux speedrun parce que je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit speedrunnable de base. Je pense que tout est fait exprès pour que ce soit compliqué et qu'on prenne notre temps, qu'on se gratte la tête, le cerveau si c'est possible parce que c'est la première énigme. Et du coup, de pouvoir arriver à nos fins. Alors, on ne sait pas exactement. Enfin, moi, j'ai mis 93 niveaux. C'est possible qu'il y en ait moins, c'est possible qu'il y en ait plus. La semaine dernière, on a réussi à aller jusqu'au niveau 45, qui était en vrai peut-être le niveau 41. On va vérifier justement ça. On a réussi à en faire pas mal très très rapidement parce que c'est de mémoire. Donc je fais des révisions genre juste avant parce que j'ai pas le temps de faire des révisions tout le temps. Donc voilà. Et on enchaîne directement avec un essai de faire en direct live. Voilà. J'ai envie de remercier aussi les followers parce qu'on est plus de 10 maintenant. Donc c'est cool, merci. Pour l'instant c'est encore les vacances, on n'a pas encore repris la chronologie des femmes artistes, mais on va la reprendre. Je pense que la plupart sont plus intéressés par ça que mon faux speedrun. On va voir justement si YouTube trouve ça marrant aussi de faire un speedrun sur Ouverture Facile d'ici peu. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de me rejoindre et de rejoindre tout le monde qui participe à 13 bis en général sur le Twitter. Dans le futur, il y aura la chaîne. J'espère que ça va fonctionner, mais on verra. C'est surtout pour les replays qui sont déjà passés que j'ai sauvegardé. Voilà. Bon, il y a des petites modifications à faire, forcément, parce que c'est YouTube, donc le son, déjà. Et potentiellement couper les vidéos pour que ce soit plus court. Bon, c'est les speedruns, c'est un peu nul de les couper, donc on essaie d'aller jusqu'au bout, on verra si ça passe. Voilà. Je rappelle du coup le contexte et les conditions du speedrun. C'est pour Flash et pour la fin de Flash qu'on fait du ouverture facile. On essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. En énigme, j'espère qu'on arrivera à la fin avant demain, parce que je crois que c'est demain, on est le 31, donc du coup, je sais pas à quel moment, si c'est inclus ou pas à la fin de Flash pour les navigateurs. Bref, est-ce qu'ils sont méchants au point d'être aussi fermes ou pas? Je sais pas, on verra. En tout cas, l'idée c'est qu'on essaye de faire le maximum aujourd'hui, encore une fois, jusqu'à la fatigue du moins. En général, ça s'approche des 2 heures. Où je commence à fatiguer juste et ça m'embête, ça m'énerve en fait au bout d'un moment de continuer à jouer, mais c'est pas grave. On essaye de faire un faux, c'est pour ça que je dis que c'est un faux speedrun, c'est qu'on essaye d'aller au maximum et d'avancer au maximum. Voilà. C'est aussi pour pouvoir sauvegarder du coup le travail de Swan qui est donc Antoine Granger. Je vais même faire les appels de code que j'avais préparé justement pour ouverture pour ceux qui veulent jouer, celles qui veulent jouer. Et pour le soutenir, ou soutenir l'équipe en tout cas d'ouverture facile, je sais que principalement il était seul, mais là je sais pas s'ils sont devenus une équipe, donc on ne sait jamais. Voilà, c'est dans le chat, dans le replay Twitch spécifiquement. J'avoue que je sais pas pourquoi Nightbot il a disparu, je crois que c'est moi qui l'ai fait disparaître, mais bon, voilà. Et du coup, je pense qu'on va commencer. Du coup, il y a le PayPal, hein, c'est ça, pour soutenir Ouverture Facile, c'est le PayPal. Je pense que c'est toujours actif, au moins jusqu'à janvier. Enfin, j'espère. Voire plus, ça se trouve. Donc, on verra. J'ai un peu le nez bouché, mais j'espère que ça va pas être trop entendable. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah oui, autre condition, c'est qu'on va mettre Euronews, Weather Channel, en fond. Je vais vous faire écouter, et c'est en loop. Parce que la pression de faire des énigmes, c'est tout aussi important à l'audio que en se grattant la tête, et donc avec les énigmes. J'espère que je vais réussir à bien enchaîner les splits
à chaque fois, parce qu'en général c'est mon petit défaut, c'est que j'ai du mal à faire toujours l'arrêt au bon moment. Donc on verra si ça c'est un speedrun propre, on va dire. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt, prête? Je pense que c'est bien parti. Bah on est parti. Je vais le lancer. Normalement flash c'est bon. Merci. 3, 2, 1. Donc ça, le premier, c'était le cerveau. Fallait juste cliquer sur le cerveau. Le niveau 2, fallait trouver, voilà, pour savoir où on allait, la trouver la question. Et donc la question, c'est justement le niveau 3. Donc on va au niveau 3, bien entendu. Voilà. Ensuite, en cliquant sur miroir, on le voit à l'envers. Donc il faut trouver le niveau 4. Et donc 4 U A. J'ai mis 47. U. E. Non, c'est A d'ailleurs. Mais O. V. I. N. Donc niveau 4. Ensuite, ça c'était Ship. Parce que c'est la cinquième track de l'album de Pink Floyd qu'on recompose. Et qui, du coup, nous donne accès à la suite, au niveau 5. Donc ça, c'est en cherchant un peu, on trouve Petit Escargot. C'est dans les informations qui sont données. Ça, c'était Volaille, parce qu'il fallait faire une sorte de petit début de cryptographie. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un jeu où on utilise beaucoup l'adresse URL. Alors, en HTML, merci. Niveau 7, alors ça, il fallait récupérer le son. En récupérant le son, on se retrouve avec le téléphone, il me semble. Alors, de tête, hein. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'était le lapin. Il fallait compter les lettres et les trouver par rapport au téléphone. Il fallait corriger l'URL cette fois-ci. Donc, autant pour moi, c'était EMPS. Donc là, c'était visuel principalement. Là, il fallait relier les couleurs pour trouver avec les lettres, avec les mots qui sont déjà écrits, les lettres qui sont importantes à garder. Voilà. Ça, il fallait trouver la page A qui nous permettait d'avoir 2A qui nous permettait d'avoir justement la réponse visible sur le post-it, je crois. Alors, c'est peut-être HTML du coup. Hop. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Niveau 11. Ah oui, c'est JPG. Donc, excusez-moi. Page 2A.JPG. Voilà. Donc là, on voit télévision. J'écris télévision.htm. Là, je suis au niveau 12. Il fallait juste allumer la télé. Donc là, on peut voir caché un peu dans le noir Hans.htm. En train de perdre ma vitesse. Bidou, qu'il fallait juste regarder qui avait travaillé sur Hans, le film. Ça, c'était du Weddings et la réponse, c'était quoi? Je m'en rappelle plus. Pas téléphone. Ah, je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Et là, on est perdu. Si, c'est le lapin encore. C'est le rappel de lapin. Voilà, là fallait agrandir le lapin. En agrandissant le lapin, on trouve sur la pâte papier. Ça, c'était particule, fallait recréer tout le passage du puzzle. Cette page n'existe pas, réfléchissez avant de taper n'importe quoi. Donc c'est peut-être particule sans S. Non, c'est pas ça. C'est particule avec un S, pour moi c'est ça. Hein. HTML du coup. Non plus. Mince! C'est pas particule? Mais si, c'est particule celui-là.
Donc fallait mettre le X au bon endroit, voilà. Et on trouve particule S, si, c'est ça. Ah, faut l'écrire ici, mince. Oh, à chaque fois, je me trompe. Donc on est au niveau 17, ça, la réponse est évidente, c'est évidente. J'avais jamais mieux fait mon truc. Là, c'était pays la dernière fois. Donc il fallait prendre toutes les lettres A, B, C, D, E, jusqu'à trouver justement pays en reliant. Ça, c'était Gabon. Il fallait prendre les couleurs qui sont en ex là. Et on trouve le drapeau. Ça, c'était machine. Il fallait prendre les formes et les courbes pour trouver justement le changement. Ça, il fallait mettre la tête à l'envers, c'est la l'énigme problématique. C'est le point HTML d'ailleurs. On est normalement niveau 22, voilà, c'est bon. Ça, il fallait trouver et on descend un peu et on trouve ici chapeau. De toute façon, le temps perdu maintenant on va être gagné plus tard. Du coup, c'est chapeau pour HTM, c'est facile. Ça, c'était le piège. Peut-être que si, si, c'est exactement la bonne réponse. Niveau 22, on est au niveau 23. Ça, il y avait des pixels qui étaient rouges, il fallait les trouver. On trouve pâte en reliant les lettres. Donc là, on est au niveau 24, c'était du binaire, c'était chat. Ça, fallait trouver la backroom. Derrière la backroom, je vais vous éviter les flashs. Donc, c'était décibels qu'on avait trouvé. Ça, c'était. Fallait aller dans le code, trouver Invisible Secret dans le code, qui est le logiciel à récupérer, et le mot de passe qui est sur l'image. Il fallait trouver l'opacité. C'est les énigmes qui sont plus compliquées à trouver quand on commence juste le jeu. Donc là, je suis en train de regarder dans la source, voilà, hop, je vais faire edit as html, je récupère comme ça directement et je fais du copier-coller, ça va aller plus vite, hop, 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 je mets mp3 parce que c'est le mot de passe qu'on trouve sur l'image, et on passe à la suite, niveau 27, le niveau 27 c'était, oh, je me rappelle plus, le niveau 27, faut que c'était un outil de cryptographie. Il fallait faire en sorte qu'on puisse trouver à partir de l'URL, ensuite du décimal, ensuite de l'hexadécimal, je crois. Et ensuite, il fallait prendre la clé XOR, il fallait ouvrir le JPEG. Voilà, c'est que de la crypto, de la stéganographie d'ailleurs, pour trouver à la fin, il me semble, malade, avec un S de mémoire. Ça, il fallait récupérer le paytext 1000 zip. Et le Emily JPG pour trouver que c'était une image qui était corrompue et ensuite il fallait, fallait la décorrompre en allant dans le hexadécimal avec XEditor pour pouvoir prendre ce qui n'est pas du zéro et ce qui est du zéro pour pouvoir recorriger les choses. On recrée l'image et on arrive avec une réponse qui est kitty.htm. Ensuite, fallait chercher la ville qui est écrite ici, trouver le bouton, voilà. Ça, fallait regarder les noms de tous les rois, de toutes les reines, pour pouvoir ensuite réussir à compter le nombre, parce que derrière, il y a marqué des chiffres, pour pouvoir trouver ensuite des cadences avec... voilà. Pour trouver des cadences, ça c'était du morse, le morse il disait magie, il me semble, donc du morse qui parlait par un morse, point htm du coup peut-être, ah oui j'ai mis margie, j'ai mis un R, voilà, là on est niveau 32, fallait trouver à quoi correspondaient ces points de géolocalisation et à la fin savoir qui avait participé à la création, c'était la statue de la liberté qui est créée par Bartholdi et Eiffel, donc c'était Bartholdi. Ça, fallait recréer l'image, c'est l'image de Jésus par les historiens. Non, j'ai oublié de passer. Voilà. Ensuite, Béziers, parce qu'il fallait relier tous les points d'un pigeon perdu.
en créant. Enfin, il fallait retrouver plutôt l'endroit où est le pigeon perdu. Tous les autres pigeons nous permettent de savoir que, en fait, ils ont un chemin qui donne la ville, tout simplement. Celui-ci, c'était très compliqué, c'était là où on était bloqué la dernière fois, et du coup, on avait réussi en trouvant tous les topics du forum pour pouvoir ensuite arriver à quelque chose qui est plus ou moins valable, parce qu'il fallait trouver du coup les topics numéro 75, 7, 6, etc. Et à la fin, on trouve des lettres en sélectionnant, c'était un peu complexe, en sélectionnant les messages envoyés par Swan. C'était arbre que ça donnait, il y avait des lettres qui étaient cachées, donc avec une couleur différente. Ça, c'était un best-of, donc il fallait se rappeler, trouver comment on avait trouvé toutes les réponses pour pouvoir avoir chaque lettre à chaque fois de tout. Donc là, comme je vous ai dit, c'est toutes les réponses qu'on a faites. Ça, on l'avait trouvé aussi, du coup, c'était, il me semble, alpiniste, de tête. De tête et hop. Ça, fallait aller chercher dans la Bible. Dans la Bible, il y a marqué le psaume 23 et 22, dernier mot de Saint-Luc, qui était verge avec un S. Donc là, Swan se plaignait justement du fait qu'on lui demandait d'être un peu plus simple dans les jeux. Donc en fait, il y avait plusieurs réponses. Qu'il fallait trouver pour pouvoir arriver à justement. C'est des questions assez simples, hein, c'est-à-dire que là par exemple ça sera dans le code source. Le code source il donne la réponse directement dans les commentaires. Fleur, du coup. D'ailleurs, j'ai pas appuyé sur le bouton, je vais tout de suite appuyer. Hop, fleur. Je réappuie. Ça, c'est la réponse n'est pas sans doute pas facile, difficile, donc c'est facile. Ça, c'était plutôt simple hein, pour l'instant. Il suffit d'aller au prochain niveau, donc niveau 42. Et on se retrouve normalement. Ah non, c'est pas tout de suite. Donc, hop. Ah oui, c'est vrai, c'est à cause de ces. Voilà, et on revient à niveau 38 en fait. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on est allé au niveau 46. Voilà, ok, je me rappelle. Ça, c'était épaule, parce qu'en fait, on prend tous les messages qu'il nous a laissés, comme quoi c'était trop facile. Et en fait, c'était de l'énigme. Fallait faire des trous à la place du mur, justement. Et donc, du coup, ça fait la réponse est et pour le. Voilà, donc c'est épaule. Alors, sans deux P, s'il vous plaît, merci. Je crois qu'il y a un S, je suis pas sûr. Non, il n'y avait pas de S. Alors, toujours pas d'accent, hein, de toute façon. Alors, ça, c'était très compliqué. Voilà. En cliquant sur AJPG, BJPG, et donc en les cherchant dans l'URL, on comprend qu'il faut en fait trouver le chemin entre le zoo d'Amiens et la tombe de Jules Verne, qui est à Amiens aussi. On avait fait plusieurs techniques, plusieurs moyens d'avancer justement en cherchant par Google, par Mappy, et à la fin du coup en regardant la soluce, parce que on comprenait pas, parce que c'était tout inversé d'après la soluce. Et il n'y a que TomTom qui donne la réponse, donc c'était une fois à gauche, non, c'était une fois à droite, trois fois à gauche, je crois. 1, 2, 3. Oui, c'était ça. Ensuite, on entend un son qui est It's a small world. Il y a marqué ici Es Pequeño, donc c'est voilà. Sponsorisé par France Télécom, donc c'est ce qu'on sait clairement Mundo pour Es Pequeño Mundo, It's a Small World de Disney. J'avance hein, parce que sinon c'est pas possible. Là, il fallait regarder du coup que ça c'était en référence au métro parisien et que du coup en cliquant sur la porte là où il se fait pincer très fort, qu'il y a plusieurs routes qui sont données et du coup. Comprendre que dans l'indice, il me semble,
Voilà, et ils expliquent comment trouver. Donc, quand ils disent sexe, c'est S-E-X. Voilà, c'est avec le nombre de métros qui passent et le nombre qu'ils ont eux. Compter ces nombres-là, donc les additionner principalement, surtout les additionner. Et ensuite, du coup, faire en sorte que on les transpose en alphabet pour pouvoir arriver à. Sexe. Et donc, du coup, nous on le fait avec la même chose parce que là on voit en haut des petits mots qui, quand on est on s'est pincé très fort, on voit qu'il y a il y a des métros qui apparaissent. Ça nous fait des points, on l'avait fait ensemble la dernière fois. Ces points-là nous donnent du coup le nombre de métros qui passent et le nombre. Voilà, il faut avoir la carte du métro parisien, bien sûr ouvert, et ensuite on calcule pour pouvoir avoir nos lettres. Et du coup, c'était nouveau. Et c'est là où on en était. Après, on en était à ça. Donc, on avait fini justement sur ça en disant qu'il fallait ouvrir clairement le langage des signes. Donc, on va aller chercher le langage des signes. Parce que c'est alors, je sais même plus, le langage, je l'écris toujours en anglais, des signes. Il faudrait que je réapprenne le français pour ça. Langue des signes, voilà. Est-ce qu'on a du coup l'alphabet par exemple, ou oui, l'alphabet, je pense que ça va être l'alphabet. C'est trop petit. Je veux quelque chose de grand pour que tout le monde puisse bien le voir, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est bien, ça? Ça devrait être bon. Ça a l'air bien. Ouvrir l'image, voilà. Ok, donc là on est parti. Alors, le premier c'est le pouce à l'envers, le pouce à l'envers. Tac 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 tac. Il est où, il est où, il est où? C'est le A. Non, il n'y a pas de pouce à l'envers en fait. Donc c'est le A. Le premier c'est A. Je vais le noter dans mes notes, histoire de bien me rappeler. A. Ensuite c'est je croise les doigts. R. Ensuite, c'est je pointe le haut. Alors, c'est D. Non, il y a un rond là. Je sais pas. On va regarder. Non, G. Ensuite, je fais les doigts E, les doigts bloqués. A, G, E. Ça a l'air d'être argent. Le flingue vers le bas. C'est le N, voilà. Donc ça a l'air d'être argent, hein, toujours. Il manque le T maintenant. Et donc l'œil, le T. Ah, c'était un peu traître là. Le T. Ok. Donc c'est argent. Et du coup, on peut avancer. Voilà. Ah, message codé numéro 10, message crypté 6. Alors, message crypté. 6 clés de décryptage possibles. Ce message est top secret de niveau 8. Le titre de la page s'appelle Code Error. Il y a plusieurs appels de code. Il y a des chiffres. À partir de quel moment ça bug? Tout est codé. Ok, c'est pas grave. Point à la ligne. Point à la ligne. Faudrait que je copie tout ça. Okay. Message codé numéro 10. Message encrypté. 6 clés de décryptage possibles. Ce message est top secret de niveau 8. Les clés d'activation 17 et 25 ont été lancées par le serveur 11, 9, 11 à 9. Code BGTA. 7 niveaux. 5 administrations du bêta. Code. Waouh, ça a l'air bien compliqué. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message, attention requise, passage en mode, ouais, donc là. Si il faut tout copier, c'est du flash donc je peux pas. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait là, c'est vrai que c'est petit. J'essaye de zoomer, hein, mais en fait au final ça n'avance pas. Voilà. Donc tout le texte c'est ça.
Bon, j'abandonne, cette énigme est complètement débile pour une réponse aussi simple. En plus, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on continue. Passage en mode RTC, SWF, alors c'est quoi des complètement farfelus et n'est là que pour vous perdre dans cette énigme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous ne comprenez rien à cette énigme, c'est con. De toute façon, moi non plus, je n'y comprends rien. Y a-t-il une réponse? Je ne pense pas. Vous n'avez tout de même pas bloqué à cette énigme. Arriver jusque-là pour bloquer là-dessus, ce serait dommage. Allez, un petit effort. Quand je vous disais que, oh, je suis sans arrêt coupé par ces erreurs, tout déconne de plus en plus sur ce site. Ok. Message codé, message. Peut-être qu'il faut juste aller dans le code et changer tout ça. Vous n'êtes même pas autorisé. Oh. Bon, j'abandonne cette énigme. Ouais, donc ça, je l'ai lu. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message d'autorisation requise. Azut, vous n'êtes pas autorisé à résoudre cette énigme à cause d'une DR19. Message codé, message privé, message codé, risque. Oh là là, ça ne finira donc jamais, j'en ai marre de ces erreurs. 512, 512, 512. Ok. Voilà. J'ai tout lu, comme ça, si jamais il y a besoin de revenir dessus, au moins, ça sera déjà à l'oral. Et je vais regarder dans le code du coup. Parce que c'est peut-être juste un bug du code source. Donc, aide. Donc, il s'appelle bien code erreur. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, je sais que les erreurs de code, en général, c'est la ponctuation. C'est pour ça qu'il y avait la réponse. Je pense que c'est un problème de ponctuation. On va regarder. L'indice est i argent. Ok. De JavaScript. Oh, si c'est du Java, ça va pas faire. On peut pas toucher de façon à Java, je crois. Argent.swf, oui. Langage JavaScript. Bon, on va regarder. Hein. JavaScript, c'est pour la sauvegarde. Compliqué, j'ai l'impression. Alors, pack, carreau, cubo, argent, épaule, énigme. Ok. Je regarde s'il y a des fautes, mais pour l'instant, je ne vois pas. Je regarde le code, hein, je suis désolé, c'est pas très visuel. Je vais vous montrer peut-être le code, hein, tout simplement. Hop. Vous allez voir qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir de toute façon. Bah oui. Je peux le déplacer. Mais non, mais c'est pas ça que je veux déplacer, mais. Oh, il m'embête lui. Je veux déplacer ça. Je peux déplacer ça. Merci. Voilà, merci. Donc voilà le code. Je vais vous zoomer. Donc si vous regardez, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fautes. Ça c'est le robot pour Google. Donc c'est pour éviter que l'énigme se retrouve directement sur Google. Si je dois enlever ici, il peut y avoir des espaces, donc c'est pas un problème. Il parlait du fait qu'il y avait des problèmes de ponctuation. Donc on va regarder la ponctuation principalement. Tac. Non, pour l'instant j'ai pas l'impression. Argent.swf, c'est bon. Parce que ça c'est toute l'énigme ça. Ça c'est l'image de le. Et le lien vers l'indice. J'espère qu'il faut pas juste tout recopier, parce que là je peux pas recopier en fait. Je vais regarder les paramètres. Bah non. Fermé. Ok. Bon, on regarde. Point à la ligne. Alors là, le message codé numéro 10, point, donc à la ligne. Le message écrit, point, à la ligne.
clé de décryptage possible, ce message est top secret. Le niveau 8 point à la ligne. Les clés d'activation 17 et 25 ont été lancées par point à la ligne. Point 11 à 9 point à la ligne. Code BGTA. Bah on va essayer BGTA, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais, c'est pas ça. Point à la ligne. 7 niveaux. Point à la ligne. 5 administrations du bêta. Groupe OPCA. Message codé, message codé, message codé, message codé. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message. Ok. Il n'y a toujours pas de point. Pardon. Ok. Autorisation requise. Passage en mode D12. Point à la ligne. Attente de validation du code. Point à la ligne. PDF, 4 PDF. Point à la ligne. 30, 29. Point à la ligne. Alpha 85. Je pense qu'il faut peut-être le tout réécrire en fait. Ok, je vais ouvrir un notepad. On va voir si c'est ça juste. Ah là 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 là. J'étais sûr que ça allait prendre du temps. Ah là 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 là. J'étais sûr que ça allait prendre du temps. Je vais vous l'afficher. Donc ça c'est mon c'est mes notes, on va tout noter. Alors, message codé. Numéro 10. Point à la ligne. Je vais zoomer, comme ça va être plus simple pour vous. Message crypté. Alors j'espère que c'est... Je pense pas que ce soit ça, parce que faudrait trop réécrire. Mais je pense pas que ce soit ça, mais on va essayer quand même. 6 clés de décryptage. Je pense qu'en fait, tout simplement, sans doute, faut le réécrire pour pouvoir juste, en fait, trouver les premières lettres, trouver du coup une sorte de phrase ou quelque chose comme ça. Ce message est top secret de niveau 8. Bon, à la ligne, les clés d'activation 17 et 25. Ont été lancés par le serveur. Point. Du coup, à la ligne 11. Et là, il y en a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On dirait qu'il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, point à la ligne, code BGTA, point à la ligne. Sept niveaux, je me perds dans mon écriture. Point, alors avec un espace, point à la ligne. 5 administrations, il n'y a pas de S là. Faut pas corriger quand même, bêta, programme. OPCA, message crypté, on va l'écrire une fois et après on va copier. Ah non, c'est un message codé en plus. Codé, 2. Après il n'y a que par 2. Pack, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et à la fin, du coup, du quatrième, il n'y en a que un. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message.
Autorisation requise. Passage en mode D12. Et là, on a un point. Bon, il y a peut-être des fautes dans ce que j'écris. Bon, on verra après. Attente de validation du code. 4 PDF. Point. Espace 30. Point. 30. 20. Point. Alpha. 85. Et là on a des erreurs. Je pense que c'est peut-être ça. On a combien, hein? 512. Alors, on va checker vite fait, juste j'essaye 512 pour voir si c'est ça. Non. Je reviens à mon texte. Donc erreur. Alpha 85. Alors d'ailleurs c'est un espace ou pas là? On va voir. 4 alpha 85 error. 512 error. J'aurais dû copier, purée. C'est plus simple par contre. Je vais faire comme ça. Hop, hop. Et on copie tout. 512 erreurs. Alors, il y en a combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. PHP. Donc là, il y en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, il y a PHP. Et après, il y en a 2 autres. Donc, il y en a 1. Et après, on a un qui n'est pas fini. Fail. 13. Ça, passage en mode RTC. Vec. Donc ça, c'est vraiment c'est un vecteur, mais... 3x point 31. Bon, j'espère qu'on va trouver quelque chose de ça parce que c'est c'est laborieux, c'est archi laborieux. Mode 28 SWF error. Ben, ça, c'est exactement ce qu'on a besoin. Logiquement, c'est, s'il y a une erreur, c'est qui a corrigé, c'est un secret du SWF. Vraiment. Ce code est complètement farfelu. Ah non. Je vais essayer farfelu. C'est pas ça. Est complètement... Là, il y a un accent. Hein. Là, il y a un accent. Des fois il le met pas, des fois il le met complètement farfelu. Et n'est là. De toute façon il le dit hein, que c'est pour nous faire ralentir, mais vaut mieux essayer. Et n'est là que pour vous perdre dans cette énigme. Erreur 157 à la ligne point. D'ailleurs, c'est possible que si j'enlève toutes les erreurs, on se retrouve avec quelque chose aussi. Voilà, à l'écrit. D'ailleurs, il y a eu un point déjà. J'ai pas fait gaffe, mais là il y a un point. D'ailleurs, il n'y a pas d'espace non plus.
14 erreurs de ligne A. Ligne A 32. C'est laborieux. Tout ça pour qu'à la fin j'ai une vivacité un peu plus réveillée et que ce soit pas du tout ici en fait. Donc c'est bien. Là je fais mécaniquement les trucs bêtes. Vous ne comprenez rien à cette énigme. C'est con. Ouais, c'est con. Toujours pas. Je vais re-regarder l'indice. Point à la ligne. Point à la ligne tirée, c'est ça? C'est genre une discussion. Bon, on verra. Vous ne comprenez rien à cette énigme, c'est con. Erreurs CD 36 point. Donc il y a déjà un point, j'ai sauté à la ligne mais il y avait déjà un point là. D'ailleurs c'est con, pourquoi j'ai mis c'est con comme ça, hop, c'est con. Mais là il y a un point aussi, hop. Du coup, ça c'est un point d'exclamation. Pourquoi j'ai pu faire un point? Un network failure. Là il y a deux espaces, on dirait. Mode 3647. De, là il n'y a pas de point. De toute façon, moi non plus, je n'y comprends rien. Y a-t-il une réponse? Question 27 point. Non c'était 27. Pourquoi j'ai mis 25? Je sais pas. Moi non plus. Avec un espace, non, pas du tout. Je ne comprends pas. D'ailleurs le point d'exclamation c'est exactement ça. Hop, 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 c'est un point aussi. Il y a des chiffres hein, qui ressortent hein, des trucs. Hein, donc, Ça pourrait. Je ne pense pas. D'ailleurs, je ressaute une ligne. Je ne pense pas. Mais c'est les majuscules. Faut que je prenne toutes les majuscules. Parce que point à la ligne, ça veut dire majuscule. D'ailleurs, il y a une majuscule là. Alors, je vais regarder vite fait les majuscules. 3 secondes. Juste pour voir si c'est ça. Pas beaucoup. Il y a le C de C. Pour moi, le premier, c'est C. Je vous montre. Comme ça, c'est plus simple. Les majuscules, pas de majuscules. Non. Parce qu'en fait, je me posais la question. Là, il y a un A. À arriver. Jusque-là, pour bloquer là-dessus. Allez, un petit effort quand je vous dirai que. Beaucoup de minuscules et tout d'un coup, voilà. B, une majuscule. C'est à chaque fois qu'il parle en plus. J'ai l'impression. Cabot. Il y a un O là. Bon, c'est A, B, O déjà. Je pense que ici, c'est une majuscule, c'est ça. Alors, je revérifie les majuscules, hein, 3 secondes.
écouter du coup. Ouais, ça rame un peu là, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rame? Il n'y a rien qui a changé de sur mon ordinateur, monsieur. Ne ramez pas, s'il vous plaît, c'est pas le moment. Pourquoi ça rame? Alors, en 2 minutes, je fais quitter des trucs. On va voir si ça range mieux. Donc, si on était, c'est bon. Je ne pense pas que vous n'allez tout de même pas arriver à. Jusque là pour bloquer, ce serait dommage, j'avais un petit effort quand je vous dirais que je suis à sans arrêt coupé partout. Tout déconne de plus en plus sur ce site. Message codé, message codé, vous n'êtes pas autorisé au code. Message codé. Vous n'êtes pas autorisé au code 34. Bon. B. J'abandonne cette ligne complètement débile pour une réponse simple en plus, c'est vraiment n'importe quoi. Database, ok. Non, je ne peux autoriser à afficher ce message d'autorisation. Asie du micro autorisé à résoudre cette énigme à cause d'une erreur 19. Message privé, message codé, message codé, vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message. Oh là là, oh. Ça ne finira donc jamais. J'en ai marre de ces erreurs. Failure, pas de bon. On va essayer avec un T. Parce que là, il y a un C, A, B. Et on est sûr qu'il y a un O. Si c'est les majuscules. On va juste. Alors ouais. Bon. Parce que là, point à la ligne, c'est pas mal, hein. Majuscule du coup. C'est le B.A.B. hein, normalement, à l'école, ça. Je vois ce qu'il a là, mais pourquoi tu rames en fait? Je comprends pas, petit ordinateur. Bon, on continue, alors du coup, dans nos bêtises, hein. Je ne pense pas, 3 petits points. Alors, est-ce que je fais comme ça? Bah, logiquement, oui. Hein. Mais bon, c'est pas... c'est, en fait, c'est le 3 petits points, c'est un seul point hein, en français. Vous n'allez tout de même pas. Bloqué à cette énigme. Ah, privé. C'est con. Ah, c'est peut-être juste le début. C'est con. Arriver jusque là pour bloquer là-dessus, ce serait dommage. J'avais un petit effort quand je vous disais que, oh là là, ça ne finira donc jamais. J'en ai marre de ces erreurs. Regardez juste si on pouvait prendre juste le début des phrases où il y a des majuscules. Ça pourrait marcher, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je continue. Jusque là. Là, avec comme ça, plutôt. Pour bloquer. Là-dessus. Ça serait dommage. Allez, un petit effort. Exclamation à la ligne. Quand pas de majuscule d'ailleurs. Quand je vous disais que. Et là, il y a un 3 tirets. Erreur 16. J'ai mis 3 R. Très intéressant. Ensuite, j'en mets 2. Ah, il y a un point. Oh. 2 points. Ça, par contre, je... Point. C'est pas du mort, s'il te plaît. Dis-moi que c'est pas du mort.
moins motivé à faire du mort. Ça. La dernière fois, j'étais motivé, mais là, non. Un peu moins motivé. Sans arrêt coupé. Par ces erreurs. Tout déconne. De plus en plus. Sur ce site. D'ailleurs, c'est un seul ligne, ça. 33 code 26 tiret message codé. On revient au message codé de tout à l'heure. Donc, deux messages codés. Message codé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, il manque un. 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas autorisé au code. Vous n'êtes pas autorisé sans S au code 17. Et on recommence sur le message codé. On va prendre tout ça, comme ça direct, c'est clair. Donc là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Je recopie tout, hein. Je sais que je vous montre pas tout le texte, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Je pense que. Voilà. C'est un peu bête ce que je fais, hein, mais au moins c'est, ce sera fait si jamais il y a besoin. 1, 2, alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, après 17. 1, 2, 3, 4, pourquoi 6 alors du coup. Hop. Message codé, vous n'êtes pas autorisé au code de. Ah, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas autorisé au code 17. Non, mais c'est ça, c'est la suite. 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas autorisé au code 34. Donc je vais reprendre ça. Je crois qu'on va devoir faire une pause. Je vais devoir aller aux toilettes. Je me suis. Au bout de 47 minutes de stream. 34. J'ai bu du thé, et j'aurais pas dû en fait. Erreur 25. Bon, majuscule cette fois-ci, j'abandonne cette énigme. Est complètement. Mais oh, complètement. D'ailleurs, j'ai encore fait une faute d'accent. Débile. Donc du coup, on va essayer de voir si c'est débile aussi. Parce qu'on a essayé tout à l'heure. Con. Bon, c'est toujours pas ça. Je vais faire une pause dans le temps, si c'est possible. Normalement, oui. Là, il a fait la pause tout seul, j'ai l'impression. Pause. Voilà, c'est ça. Bon, je reviens tout de suite. Attends quelques secondes.
Ok, c'est bon. Voilà, j'en suis toujours à ma bêtise. Bon, j'abandonne cette énigme, elle est complètement débile. J'espère qu'il faudra faire quelque chose avec les majuscules, parce que si c'est pas ça, c'est... Pour une réponse aussi simple... En plus... C'est vraiment n'importe quoi. En train de chercher en même temps dans ma tête ce qu'on pourrait faire comme mot avec CABO. Pas grand chose, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Database stream. Ça, c'est une référence à l'autre truc. Stream fund 846 points. Code 45, code 42, erreur 18 points. Peut-être compter les points aussi. 18, maintenant le point il est avant erreur. Ok, excusez-moi. Mais je fais n'importe quoi là. Déjà que ça prend, déjà que c'est nul comme technique. Ah mais j'ai oublié de. Bon, on revient, on va pas revenir en arrière mais. Résume. Voilà. Attendez, je renifle. J'ai coupé le micro, hein. Je suis gentil. 42 tirets du coup. Message codé. Message 24. Introuvable. Compliqué hein, tout ça là. Introuvable tiret message. Je déplace un peu la fenêtre, je suis désolé. Pour moi, en tout cas. Introuvable message tiret. Mais c'est pas un tiret ça. Il y a deux tirets même. D'ailleurs, c'est message codé. Un truc, ouais, message codé. On va faire comme ça. Pique, 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 pique. Voilà. Une fois. Deux fois. Et il n'y a que un tiret cette fois-ci. Message introuvable. Message codé. Est-ce que ce serait pas introuvable? Pourquoi il est là? Pourquoi il y a juste ça comme mot? Je vais essayer introuvable. J'ai essayé pas mal de trucs, hein. En vrai, on tente, hein. Ok, donc, message introuvable, pas autorisé à voir. Je l'ai vu, ça, je l'ai déjà écrit, je crois. Introuvable, message codé, j'en suis là. Vous n'êtes pas. Autorisé, comme tout à l'heure. À afficher ce message. Autorisation requise. O majuscule. Là. Là. Ça. Donc là, par exemple, ça pourrait être caboche en fait, mais je parce que si je suis en train de voir la suite derrière, mais. Si on met tout en majuscule, peut-être que ça va être bien. Ça ne finira donc jamais. Mais je pense que c'est pas mal de le faire comme ça au moins ça sera bien visuel, tu vois. Mais après, c'est vrai que là je me prends un peu la tête pour rien. De ces erreurs, mais c'est la fin. Donc on finit. Et on saute à la ligne là pour le point d'exclamation, s'il vous plaît. Donc ça serait pas caboche, ça peut pas être ça non plus. Si c'est juste les points, ça peut aller, je pense. On va voir. On va voir si c'est juste les points. Les points. Parce que les points d'intégration, normalement, on saute à la ligne aussi. C'est considéré comme une ponctuation et c'est un point. Donc, Et ensuite, on enchaîne avec les 512 erreurs. Je vais les copier parce que j'ai pas envie de les refaire. Il est où les 512 erreurs?
son, mais 512 erreurs. Ah, ici. J'en ai marre de ces erreurs. Et hop. 1, 2, 3, 20. Erreur. Ouais, il n'y en a pas de 2 d'ailleurs, c'est 22 maintenant. 22, erreur. 512 erreurs, 512, 512. Donc il y en a 3 là. 1, 2, 3, 4, 14. Animation. Failure. Mais on avait le même problème, on dirait que c'est un peu le même message que dans l'autre, qui était décibel. HTM, avec la backroom. C'est à peu près le même message en fait, mais il y a des trucs en moins, des trucs en plus. Donc, alors, on fait un petit check-up. Message codé, point, je vérifie en même temps, oui. Message décrypté, point, oui. Donc là, ça ferait 2M en majuscule, si c'est, mais c'est pas en majuscule. 6 clés de décryptage possibles, ce message est top secret de niveau 8. Il n'y a pas de point jusqu'à 8. Ok. L majuscule, potentiellement, qu'il faudrait corriger. Les clés d'activation 17 et 25 ont été lancées par le serveur. Point. De 11 à 9. Ok. BGTA. Code BGTA. Point. 7 niveaux. Point. 5 administrations de bêta programme au PCA. Regarde. Par exemple, là, il manque un S, ça sera qu'un message. Pas si fou. Message codé. Donc là, il y a un tiret. Ensuite, il y en a deux. Ok. Vous n'êtes pas autorisé. Donc là, il n'y a pas de saut. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message. Tiret. Autorisation requise. Passage au mode D12. Ok, point. Attente de validation du code. 4 PDF. Point 30, 29. Point alpha 85. Erreur. Ça. Donc erreur. 512 erreurs. 512 erreurs. Ok. 512 erreurs. Donc ça c'est bon. Là, normalement il y a toutes les erreurs. Il n'y a pas de saut. C'est un at. C'est pas une ponctuation. PHP. Là, il y a du PHP par contre. Il y a un mot PHP en premier. Failure, passage en mode RTC. Point. Failure 13, point. Passage en mode RTC. Ok. Je crois que c'est remote à distance RTC, mais je suis pas sûr. Ensuite, tiret VEC. Point. 3X, 31 mode 28. Point. SWF error, ce code est complètement farfelu. Donc ça c'est intéressant ça. Ce code est complètement farfelu. On a essayé farfelu et n'est là que pour vous perdre de cette énigme. Error 507 à la ligne. De vous perdre de cette énigme à la ligne. 14 database. Error 2. Ligne A 32. Point. Vous ne comprenez rien à cette énigme, c'est con. Majuscule. AC. Donc là, il y a un C. Bon, pour l'instant, on en est à là. Ensuite, 15 erreurs CD36, c'est bon. Un network flèche, je vérifie tout. Tac, 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 la petite flèche. De toute façon, moi, non plus, je n'y comprends rien. Ah, y a-t-il une réponse? 27, je ne pense pas. Ah! Ah! Il y a une erreur 403. C'est l'erreur 403 à l'intérêt. Et là, il y a un point. Alors attention, je vais regarder le code. Parce que je viens de penser que je me suis dit que c'est vrai que j'ai pas testé à vide. Je vais regarder le code vite fait. Il y a peut-être une erreur. Donc je... Si c'est ça. Hop, 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 hop. On va enlever le... attendez une minute. Voilà, je vais enlever juste... Mais je veux juste cacher les notes au cas où c'est ça.
Je regarde vite fait, je vais vous montrer le code, comme ça on va regarder ensemble. C'est possible que ce soit ça. C'est juste si c'est parce que normalement, si quand il y a une erreur, c'est qu'il y a un problème dans le code. L'idée, ce serait que voilà, que qu'on puisse checker ensemble, je pense. Donc là, on va regarder s'il y a une erreur de code. Alors, head. Donc là, c'est l'erreur 403. Hein. Alors, par exemple, là, il y a. Ok. Là, il y a des sauts de ligne. Alors, je sais pas si c'est à cause de la. Voilà. Donc, ça, c'est web server. Tac, 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 tac. On enlève. Donc, ça, c'est dans body. C'est normal, c'est dans body. H1. Là, il y a un paragraphe. Là. HR. HTML. Il y a un point HTML là. Ici. C'est juste point HTML. Il n'y a pas le nom de la page future. Erreur, je vais juste écrire erreur. Non, ce n'est pas ça. C'est pas HTM non plus. Ok. Je reviens en arrière. Je regarde juste le code en arrière pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est ce qui est important, c'est surtout la code erreur. Ok. Là, en fait, le fait d'appuyer sur entrée, c'est pas mal en fait. Mais par exemple, si j'écris cabo, oui, il le met en haut. Ok, donc ça paraît logique en fait. Là, même si je vais dans l'erreur, c'est normal, il n'y a pas de réponse. Si j'écris pas de réponse, pas de réponse, par exemple, est-ce qu'il va me l'écrire comme je l'ai écrit? Donc c'est juste ça en fait, ok. Donc c'est pas forcément dans le code. On va continuer. Là on a dépassé. Je pense qu'on a dépassé le temps où on peut checker un peu vite fait la réponse. Donc on continue, mais on va regarder. Hein. On continue, juste vérification. Donc là on était au moment où j'ai eu un peu cette révélation, c'est au moment où il y a eu marqué. Vous ne comprenez rien à cette énigme, c'est con. De toute façon moi non plus je ne comprends rien, est-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Je ne pense pas, c'est à cause de ça. Donc, de toute façon, moi non plus, je n'y comprends rien. Je ne pense pas. C'est à cause d'une je ne pense pas, en fait, que je me suis dit ça. Bon, on continue. Vous n'avez tout de même pas bloqué à cette énigme. Point d'exclamation, point d'interrogation, c'est. Alors, du coup, on est tout le monde pas. Point d'interrogation, du coup. Majuscule, donc A, cette fois-ci, c'est CA. Arriver jusque-là pour bloquer là-dessus, ça serait dommage. Allez, un petit effort. Point d'exclamation, soit la ligne. Quand je vous disais que. Tac, 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 erreur 16. Oh! Ah, j'ai pas écrit. Ah oui, si, parce que je fais comme ça. Je suis sans arrêt coupé par ces erreurs. Tout déconne de plus en plus. Tout déconne de plus en plus sur ceci. Erreur 33. Erreur. Point. 33. Code. Point. 36. Ok. Message codé, message codé. Message codé, message codé. Message codé, message codé. On n'est pas autorisé au. Alors, on n'est pas autorisé au code. Le premier, c'est 34. Pourquoi j'ai mis 17? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompé là? Non, c'est bon. C'est bon. Message codé, message codé. On n'est pas autorisé au code numéro 34. Erreur 25. Moi, j'abandonne cette ligne. Est complètement débile. C'est vraiment n'importe quoi.
Là, il y a un B avec la majuscule. Donc c'est CAB. Pour une réponse aussi simple. Je l'ai écrit ça? Pour une réponse aussi simple, je l'ai écrit où? Vous n'êtes pas autorisé. J'ai pas écrit. Bon, j'abandonne cette combien aussi pour une raison aussi simple. En plus, c'est vraiment n'importe quoi. Database. Ok. Point de rupture. Ok. Database. Point de rupture. Il n'y a pas de S là enfin. Je l'ai rajouté. Non, il y a un F là. Point de code 45. Code 45. Code 42. Erreur. Point 18. Message codé. Message 24. On s'en fiche du coup. Introuvable message. Codé. Message codé. Vous n'êtes pas autorisé à afficher ce message. Oh là là. O. O. Ah, alors. C A B O. Ça ne finira donc jamais. J'en ai marre de ces erreurs. C A B O. On peut faire quoi autre que cabo C A B O au bac. Je vais juste écrire C A B O, on va voir. Encore. J'y crois pas. Hein. C'est pas ça. Pourtant, il n'y a que ça en majuscule. Hein. Je vais regarder le début de dans mes notes, là, le début des lettres. MMM6L1C75. Donc là, par exemple, ça, c'est le message, le message, le message. Les clés d'activation 6, les clés de cryptage, on s'en fiche. Code BGTA, peut-être que c'est 5 administrations. Attente de valider ce code. Vous ne comprenez rien. V. C'est con, de toute façon moi non plus je ne comprends rien, y a-t-il une réponse? Je ne pense pas. Mais il tout de même pas bloqué cette ligne. J, B, A. Quand je vous disais que... Arriver là, jusque là pour bloquer là-dessus, ce serait dommage d'aller un petit effort quand je vous disais que... O, je suis... Sans arrêt coupé par ce message, tout déconne de plus en plus sur ce site. Bon, j'abandonne cette ligne, mais complètement débile pour une réponse aussi simple en plus. C'est vraiment n'importe quoi. Fait celui-ci, je crois que je m'en rappelle au fur et à mesure, mais je vais pas trouver la réponse. Hein. D'autres que vous, ça arrache sur les cheveux, et bah sans doute. Allez, on va regarder. Indice, aucun indice. Et bah, aucune réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Oui, donc, donc l'énigme, c'est en référence au code d'erreur de... donc là, ils en parlent. Il y a une énigme qui est importante, c'est celle qui est... celle où il y a l'erreur de avec le left room, back room, right room, qui est l'erreur avec décibels. Non, sauf 1, il y a bien les belles... Voilà. Non, si tu patoches, je relis bien l'énigme. Tout est là, ouais, mais ça je m'en doute. Nous doit-on écrire le texte? Non. Bon, on l'a fait, c'est pas grave. Et sinon plus, il faut essayer avant de se poser des questions, avant d'abord de se tenter, après expliquer ce qu'on a fait et la direction dans laquelle, oui. Je bloque de nouveau, c'est pas chouette, c'est ça de me faire bloquer. J'ai beau relire le texte, j'ai beau retourner mon écran, ça me fait rien. C'est beaucoup plus simple que cela pour ton indice et là pour t'aider. Relis l'énigme. Bah, j'ai relu l'énigme et en lisant l'énigme, c'est je ne pense pas, point à la ligne. Tiret, on a la ligne tiret tout simplement. Je vais écrire tiret pour voir. Il y a beaucoup de tirets. C'est peut-être une discussion. Mais je pense pas que ça non plus. Alors, l'énigme semblable, oui, d'accord.
Alors, comment on avait trouvé pour le left-right backroom, parce que ça, ils sont en train d'en parler justement. Pour le left-right backroom, on pouvait chercher à gauche, à droite, etc. Et ensuite, on s'est dit, bah, en fait, on cherche. Dans l'indice, il parlait du fait qu'il le portait sur lui. Et du coup, c'était son t-shirt. Il fallait du coup chercher derrière son t-shirt, dans son dos. Donc, pour chercher dans son dos, vu que c'était écrit en anglais, on cherchait back. Le problème, c'est qu'il y avait une erreur. Quand on arrive dans back, la première erreur, c'est la réponse est incorrecte. On écrit incorrect. Parce qu'il y a. Voilà. On se retrouve dans une deuxième truc où il dit que stream not found. Donc, ça, ils en parlent. Hein. Database, stream not found. Ça correspond à ça. Et ça correspond aux histoires d'erreurs. Le truc. C'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore. Mais par exemple, il faut aller dans le code. Donc là, par exemple, si je vais dans le code, ici, normalement, je devrais pouvoir trouver quelque chose. À partir du moment où je suis dans le code, logiquement, je devrais trouver la possibilité de corriger le chemin. Donc là, par exemple, il faudrait que je puisse corriger argent. Parce que c'était ça, c'était incorrect, c'était IN, enfin, il y avait une erreur, il manquait un R. Donc là, il faudrait que je regarde le chemin pour pouvoir aller à la suite. Argent SWF, argent SWF, c'est bon. Ah, c'est bon, JavaScript, c'est bon. Donc, du coup, là, ça c'est la réponse en fait. Là, c'est là où je peux écrire la réponse. Donc, voilà. Hop, language, je peux regarder la date du JavaScript, tac, tac, tac. Ça peut être ça. Si je le déplace en plus, je vais vous montrer en rabaissant un peu. Regardez bien ce que je sélectionne. Bon, là, on parle bien de la réponse du coup. Donc, c'est ça qui est strange. C'est que normalement, si je devrais modifier, ça devrait être au-dessus. Parce que par exemple, c'est dans la tête qu'il faudrait que je modifie. Mais là, dans le titre, le code erreur, il n'y a que ça. Et dans peut-être que c'est. On va juste enlever le HTML. Mettre le HTML. Donc là, il force le HTML. Ok. Indice. Point à la ligne. Donc toujours. Si je fais le OK, on se retrouve avec la page d'erreur 403. Ce qui est possible que ce soit fait exprès parce que ça m'étonnerait pas. Dans ce cas-là, il faut que j'ouvre du coup mon code. Là, j'ai le titre 403. Ok. Là, j'ai une. Alors, ça, c'est du. Voilà. Par exemple, si je devrais corriger quelque chose, ça, c'est du texte. Ok. Par exemple, pourquoi ça, c'est ici? Je sais pas. Normalement, ça devrait être dans le paragraphe. Le paragraphe, c'est uniquement là pour pouvoir faire apparemment le trait. Voilà. Je regarde la suite. Le tiret de ouverture facile. On regarde vite fait là-haut, la page www.ouverturefacile.com, énigme, S, épaule, argent, HTML. Et là, vu qu'il n'y a pas de réponse, c'est point HTML direct. Si j'enlève le point, voilà, c'est mieux. Donc, l'adresse. Web server at ouverturefacile.com. Il y a une faute. Ah, j'ai cru qu'il y avait deux R. C'est dur. Hein. Là, j'ai du mal à saisir ce qui pourrait être important. Continue, enfin continue, mais alors ça c'est le commentaire. Alors, pas de error message with a big comment like this
to push it over the 500 on 12 bits minimum. Of course, what 6LAO what you are ending, no. Alors, Microsoft a une manière intelligente de gérer cette feature dans Internet Explorer, c'est d'utiliser un texte. Si un message est trop petit, exactement moins de 172 MO, Internet Explorer retourne sa propre erreur. You can turn that off, but it's pretty tricky to find switch called smart error message. That means, of course, that shorter error message are censored par défaut. C'est alors donc les messages trop courts sont censurés par défaut. Internet while IIS always return error message va par long enough to make Internet happy. Ok, bon, on va enlever ça. Ça l'a pas rendu happy. Là, il est revenu. Là, il y a quand même un commentaire. Hein, donc ça, c'est intéressant. Alors, excusez-moi, je l'avais baissé, mais voilà. Alors, je regardais le commentaire en fait qu'il y avait dans l'erreur. Donc, on va éditer. On va voir ce que ça donne. Alors, point à la ligne. Pas sûr que ce soit ça non plus, hein, mais... Pareil, c'est quand même très étrange au final de... Là, ça aligne ici. Ok. Unfortunately, si le texte est trop petit, s'il est trop petit, moins de 512 bits, Internet Explorer retourne une sonde pour un message. Bon. On va continuer, on va voir. Je pense que ça doit être de ce côté-là, peut-être. Il y a des erreurs. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la console en dessous avec des erreurs. C'est vrai que ça, j'ai pas regardé parce que en zoomant, c'est vrai que ça m'enlève ça. Alors, donc le nom du titre, c'est code error. Ok. ouverturefacile.com-/enigme-s/épaule/argent-html. Ok. Langage, c'est le JavaScript pour pouvoir sauvegarder. Ça, c'est de l'information. 750, 150, il y a trois petits points là. C'est l'objet. Et ensuite, il y a l'indice. À l'intérieur, il y a ça. Pareil, de toute façon, ça change pas grand chose. Il n'y a pas un espace après le point, donc ça va. Ok, console, les trucs, source. Ah, je sais pas si c'est. Ah putain, mais je l'ai pas ouvert depuis tout à l'heure, ça se trouve, c'est ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment le code. Alors, est-ce qu'il y a des points, des fautes dans le code? Donc ça, c'est bon, ça a l'air bon. Langage JavaScript, ok.
pense que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut que j'aille chercher. Justement. Ah là là. Le code est plutôt sympa. Bon, du coup, revenons sur notre erreur. Donc ça c'est l'erreur, voilà, hop. Ouais, tout ce qui me paraît étrange, c'est que le P là, il est vide. Et ça c'est un paragraphe. Et le HR, c'est le... C'est ça qui est étrange, c'est que le HR, c'est la barre. Je comprends pas pourquoi le P se lance. Et le... Bon, bref. Peut-être que j'aurais pas trop y réfléchir, mais... Je pense qu'il y a un truc avec le fait que ce soit... On va regarder la console. L'erreur 403, HTML1, est-ce que je peux voir ça? Il y a une erreur, en tout cas. C'est le point HTML, ça me paraît logique en fait. C'est parce que justement c'est un point et il n'y a rien en fait avant. C'est interdit. Bon, on va continuer à regarder le forum, on verra, peut-être qu'on trouvera plus tout à l'heure. Là, on perd un peu de temps pour rien, mais... Prenons un peu de distance avec le SWF, on voit que c'est évident. Alors attendez, je me déplace un peu pour voir. Donc le SWF, c'est le flash. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment les... C'est vraiment les majuscules, mais je capte pas comment, pourquoi ça marche pas. C'est dans le texte, je dirais même que la réponse est le texte. Et lui, il parle de l'énigme 19. C'est intéressant. Alors on continue, on va voir. Ah, ça c'est intéressant. Les erreurs ne sont pas disposées dans le texte par hasard. Je dirais même que leurs emplacements sont précisément étudiés pour indiquer la distribution. On va regarder vite fait. Les erreurs. Donc, du coup, là il y a tout qui s'arrête. Ici. Il y a beaucoup d'erreurs. Ici. Et là il y a beaucoup d'erreurs. Ici. 510. Donc, ça entoure. En fait. Le problème, c'est que j'ai envie de dévoiler ce que j'ai découvert, alors je sais pas si je suis sur la bonne piste. Envoie un MP à un modo en décrivant ce que tu as cherché, trouvé, il pourra te redire ce qui est dans la bonne piste. Je suis à la deuxième partie de l'énigme. Et je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire. C'est la première fois que je fais un post, car je suis complètement bloqué. Le genre... J'ai eu beaucoup de mal sur celle-ci, le genre on capte tout de suite ou jamais. Sans cet indice crucial, tu n'iras pas loin. Oublie les énigmes précédentes et rappelle-toi du message de Clean.
quoi? De Pline, c'est qui Pline? Quelqu'un qui s'appelle Pline ici? As-tu bien compris l'indice de J? Ok, ils s'envoient tous des... Retranscrit l'indice en signe typographique et la réponse se dessinera dans la page d'énigme. Parasité de retranscrit l'indice en signe typographique, point à la ligne. Et la réponse se dessinera dans la page d'énigme. Parasité de code d'erreur. Du coup, j'ai bien fait de tout réécrire, mais alors du coup, il faut que je dézoome. Je vois que le texte s'arrête par ce point et qu'il va à la ligne, mais je ne vois pas en quoi se nommer étude. J'essaye de mettre un point, tout simplement, non. Et là, j'ai aucune idée de ce que je dois écrire. Comme déjà dit souvent, relis l'énigme. Tu n'as pas vraiment besoin de logiciel, mais tu peux y arriver avec un logiciel. En l'occurrence, il vaut mieux utiliser Pen que de rayer l'écran. Je pense que ça, c'est la meilleure des indices. Hein. Après, ils ont parlé de Pline. Pline, 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 tu es où? Parce que non. Pline, une fois trouvé le truc, c'est amusant de faire ça. On retombe en enfance. Oui, c'est plus intéressant. Donc, on revient sur notre écrit. Je vais dézoomer pour voir, parce que je pense que c'est bien que je l'ai fait, du coup. Alors, voyons voir. Dézoomons. Je pense pas que ce soit ça, mais du coup, on va... et 25, je m'appelle plus c'est quoi les 17 et 25. Voilà. Je pense qu'il y a un truc avec les références, mais je vois pas. Je vois pas du tout. Tac. Bonjour. Je viens de voir que Nightbot n'est toujours pas venu. Nightbot, tu nous aimes plus? Bah, il a disparu, Nightbot, tu l'as dit. Tu veux pas nous joindre? Voilà. Viens dans la chaîne. Viens dans la chaîne, Nightbot. Je pense que tu t'endors, Nightbot, j'ai l'impression. Eh bien, c'est dur. C'est dur. Je regarde hein, les points, les points à la ligne. C'est bien que je l'ai tout recopié, mais... Mais pour moi, c'est les majuscules. Alors du coup, je sais pas. On va checker les réponses, hein, je pense. Ça va être... Ouverture facile. Niveau 43. Ah, fallait dessiner. Au milieu de tout ce charabia, ce message d'erreur, il y a les nombres 1 à 36 qui apparaissent chacune une fois, une seule fois, et qui sont toujours passés à côté d'un point. Ah oui, point à la ligne, d'accord. Ok. Donc du coup, il fallait relier, tout simplement, les points à côté des lettres. Donc en fait, ça c'était la première partie, ce que j'ai commencé à faire. Et ensuite, à partir de ce moment-là,
Je vous montre mes notes et je vais zoomer. À partir de la première note, il fallait regarder voilà, ce genre de code-là. Il y a un point là, par exemple. Là, il y a un point avec une lettre aussi, donc avec un chiffre. Et à chaque fois, en fait, ça crée de 1 à 36 le... voilà. Donc en fait, le point à la ligne, ça aide pas autre que quand on se retrouve face au texte et qu'on se dit « Ah, mais oui, tous les points, je peux les relier. » Je sais pas si c'est simple. Hein. Et pour tout ça, pour trouver pour chat. Voilà. Bon, du coup, on essaiera un autre jour et on verra si on peut le faire déjà. Donc là, il faut toquer, je suppose. Bonjour, je veux ouvrir la porte. Je ne trouve pas mes clés. Cette porte d'entrée n'est pas assez éclairée. Attends, excusez-moi, je fais tomber le micro en passant. Elle n'est pas assez éclairée. Tu ne trouves pas ta clé. C'est intéressant. Porte d'entrée, chat. Ma clé, je vais regarder la source directement, comme ça on est dedans. Comme ça c'est fait. Ok, ok, ok. C'est pas assez éclairé. Alors, je veux juste savoir si l'espace vide est compté comme espace vide ou pas. Je peux pas en fait savoir ça. Est-ce qu'on voit quelque chose là au retour? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est là, plus ou moins là où je me suis arrêté. Je crois que ça m'avait peut-être énervé l'histoire de relier. Vous n'êtes pas entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Vous n'êtes pas entré. Vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Bah, du coup, je suis rentré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Par la boîte aux lettres. Là, il y a le logo de ouverture facile. On est d'accord. Non, mais ça, c'est... non, mais je veux plus voir le point là, monsieur. Merci. Vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Donc là, c'est chat 2. J'ai vu indice chat 2, j'ai vu. Ah non, c'est parce que c'est le deuxième chat. La deuxième réponse avec un chat. Ah. Vous êtes entre pas, mais sans avoir besoin de la clé. Bah, c'est bien. C'est bien. Ça nous aide. Quelle est la difficulté qu'on peut avoir ici? Sérieusement. Pourquoi je suis bloqué? Regarde dans l'indice, mais je pense que dans l'indice, c'est possible qu'il y ait des réponses en plus. Il y en a certaines, où je suis assuré qu'on peut passer par là. Donc ouais, il fait souvent ça, le guillemet en saut de ligne, et après il écrit à l'intérieur. Je pense que peut-être un moyen d'aller plus vite à écrire. Ah d'ailleurs, je vais vous lire la description ouverture facile. Ouverture facile, quoique. Des énigmes à difficulté croissante, mais aussi des clips, des courts-métrages, les amis de Vincent Hans, des animations flash et des productions graphiques d'Antoine Granger. Il n'y a pas d'argent à gagner en finançant le jeu. Si vous cherchez un jeu rapide et qui vous fera gagner de l'argent, allez au casino. Résoudre une énigme n'est pas aussi immédiat qu'un bandit manchot. Voilà. C'est intéressant tout ça. Donc, bon, voilà. Vas-y, je ne trouve pas mes clés, cette porte d'entrée n'est pas assez éclairée. Comment je peux éclairer? Mais c'est, en fait, c'est pas important de l'éclairer, je pense aussi. Alors, je vais augmenter là, parce que je suis justement sur un écran qui permet d'être augmenté en luminosité. Eh bien, ça ne change rien. Compliqué. Compliqué.
pense qu'on va sans doute se retrouver demain pour pouvoir finir. Hein, parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps de finir. Je sais même pas si on a 93 réellement. C'est compliqué. Comment qu'on ouvre? Est-ce qu'il faut que je cherche, je tape clé? De toute façon, ça veut dire que là, dans l'indice, ils me disent que je suis déjà rentré. Ah, du coup, il faut juste que je fasse quoi? Que je casse la porte? Je clique partout, hein, parce que des fois, ça arrive, ça fonctionne. Eh bien, dis donc, c'est compliqué. Hein. Alors, la porte d'entrée, logiquement, ça devrait être la clé URL. Épaule, chat, HTML. Ok. Je vais, du coup, chercher du côté de l'open source encore, again. Voir si on peut voir quelque chose de particulier, parce que c'est la deuxième fois que je le fais, je crois. Chat SWF, non, 750, non, ça change rien. Indice chat 2, oui, ça c'est normal. Il y en a deux. Aide, porte d'entrée. Donc là, on est à la porte d'entrée. On est à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est ça la question. Tac 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 tac, carreau. Text used, ok. Chat, SWF. Eh ben dis donc. On est rentré et moi je fatigue, là. C'est étrange. Fatigant là, il me reste quoi, je sais pas. Cette porte d'entrée n'est pas assez éclairée, mais du coup si je prends la porte d'entrée, qu'est-ce que je fais? Je peux zoomer là? Je vais rentrer dans le... Voilà, je vais rentrer comme ça, ok. Je suis déjà rentré parce que c'est... ça c'est le logo de ouverture facile, je pense qu'il y a clairement un truc là. Alors, ah tiens, on peut passer, on va zoomer de ce côté, on va regarder. Est-ce qu'il y a des trucs que je vois? Est-ce qu'il y a des trucs que je vois? Non. Non. Est-ce que vous voyez quelque chose ou non? Non, non. De l'autre côté, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Je me balade dans le flash. Je suis pas sûr que ça aide grand chose, mais on tente. Bien écrit. C'est une porte. Tout ce qui a plus de portes que la porte. C'est une tête. De voir, mais je ne vois pas. Le logo là, on le retrouve où dans le site? C'est le logo officiel, on est d'accord? Oui, c'est ça. Vous êtes rentré sans avoir la clé. De voir s'il y a des choses qui se déplacent. Je ne trouve pas mes clés, cette porte d'entrée n'est pas assez éclairée. Et l'indice, c'est vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de clés. Bah tu cognes. 1, 2, 3. Je pense qu'il y avait un... J'ai l'impression qu'il y avait un truc genre... Comme ça là. Où faut juste cliquer. Toc 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 genre. Est-ce que vous entendez ce ASMR souris de toc toc toc?
Et Sims que ça ne marche pas. Non mais en toquant ça marche normalement. Faut que je toque où? Non, pas ici. Il n'y a pas d'autre endroit où je peux toquer. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autre endroit où je peux toquer. Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Entrez, laissez-moi entrer! 1, 2, 3. On est d'accord. Je vais peut-être baisser le son. On va voir juste 3 secondes. Petite pause. Est-ce qu'on entend un toc toc toc? Moi, je suis sûr qu'il faut toquer. Je sais pas pourquoi. Vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Je peux rentrer sans avoir besoin de la clé. Mais je toque. Sinon, j'ouvre par là. C'est la porte d'entrée. Mais c'est pas ça. Eh bien, voilà. On va y arriver un jour. J'ose espérer. Je vais re-regarder le code. Porte d'entrée. Background char PNG. Ok. JavaScript pour notre appel de sauvegarde. Notre SWF qui est le chat SWF. Comment ça s'appelle? C'est une chatière? Est-ce que si je tape chatière, je tombe sur quelque chose? Est-ce que je fais toc 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 avec T? Knock toc knock ou avec un K? Je suis sûr qu'il faut. Je suis sûr qu'il faut taper quelque part. Il y a un truc comme ça, non? Genre où on essaye de faire des trucs, des choses. Je situe pas. Je situe pas, j'avoue, je ne situe pas. Bon, on arrive à 2 heures. J'ai fait genre 3. Ouais, j'en ai fait que. Même pas 2. Wouah, je suis choqué. C'est super dur. 2 heures, une. Et en même temps, je suis un peu tout seul là, donc. C'est vrai que c'est dur. Est-ce que c'est pas caché sous le 44? Non. Je suis déjà rentré, bah alors vas-y, on va au niveau 45, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis déjà rentré, bah vas-y, hein, 45. C'est pas ça. C'est pas ça. Triste monde tragique. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je réfléchis. J'ai pas trop d'idées. Je pense que d'autres ont plus d'idées que moi. On va aller dans le forum, on va voir. Hop, on va passer par l'entrée. Hip, hip, forum. Je suis déjà passé par là. Je passe par le grenier. Je passe par le grenier. Du coup, c'est par là. Non, c'est pas ça. Ok, vas-y, on va faire un check-up. Je vais dézoomer vite fait. On va chercher le niveau 44. Regardez vite fait ce qu'il nous propose dans le forum. J'ai écrit n'importe quoi. N'importe quoi. Vidéo. Vidéo. Niveau. Vos compliments et critiques, niveau 44. Hop. Au bout du troisième jour. Ah oui, parce que moi, en fait, moi, je le fais en 2 heures, mais eux, ils le font comme je l'avais fait la première fois, c'est-à-dire pendant leur temps. Trente secondes, pas mal. Mais oui, mais j'ai toqué à la porte, la logique elle est bien. Mais je clique où? Laissez-moi rentrer! Ouais, bon. Très bonne idée, tu étais bien équilibré, tordu à souhait, j'étais sur la bonne piste, mais j'ai voulu aller trop vite et je suis passé à côté du premier coup. J'en suis tourné en rond pendant un bout avant de revenir au début et de refaire les manips en prenant mon temps. Eh bien, d'accord. Mais est-ce que ce serait pas le chat, le revival du chat de la dernière fois?
C'était quoi après? Le chat, c'était. C'était pas la clé XOR, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est la clé XOR. Oh mon Dieu. On va faire un petit rappel. Petit revival. Petite pause. Cacahuète. Petit revival de ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, la dernière fois, nous avons fait. On va juste chercher le voilà, on va juste chercher ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà. D'ailleurs, petite pensée à Petit Cancanou qui n'est pas là, mais qui était censé faire son live aujourd'hui. Hop. Je suis en live, oui, non, je sais. Hein, je sais, hein, moi je veux juste regarder les vidéos. Les vidéos. Alors ça, c'est le contenu du stream. Hein, voilà. Hop, vidéo, vidéo, vidéo. Pac, pac, pac. Voilà, on veut juste regarder ça. Non, mais c'est pas par là. Voilà, en fait, c'est très compliqué. On doit se balader dans Twitch, faire des allers-retours, et là, on va m'entendre parler en boucle. Attention. Voilà, c'est le live direct, en direct. Et nous, on a besoin d'aller chercher les vidéos. Merci. Si ça rame, c'est normal. C'est parce que ça tourne en boucle derrière. Mets-toi en pause, fais quelque chose. Mais non, mais je veux juste regarder les vidéos. Laissez-moi tranquille. Voilà. Donc, le chat, c'était qui déjà? C'était quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le chat, c'était avant. Ok, Chaville. Alors, je sais plus. Si, le chat, c'est XR, je crois. C'est ça. C'est ça, le chat. Non. C'est avant. MP3, ça. C'est où qu'on tape chat déjà? C'est à quel moment? Je suis allé vite hein, la dernière fois. Hop, téléphone. Bidou. Chapeau peut-être. Ça c'était lapin. Chapeau. Once, après apparemment. C'est où le chat déjà? Particule. Je me rappelle plus. C'est à quel endroit le chat? Parce qu'on l'a déjà une fois. C'est pour ça qu'il y en a deux. Il y a déjà une réponse chat, mais je me rappelle plus c'est quoi. Pays? Ça c'est pays ça? C'est pas là? Incorrect, là c'est corrigé. Corrige. Je suis désolé de vous montrer le live du live du live du live. Je fais juste la vérification de où on en est. Jésus. À quel moment c'était le chat? Après, il y a le chat avec les topics. Ah, c'est peut-être ça, un chat. Non, je sais plus. Malade, ça. Avec un S. Il n'y a peut-être pas. Hein. La page s'appelle chat. Ah, si, c'est peut-être ça. C'est pas ça. Non, il y a trop de lettres là. Ça, c'était alpiniste. Là, on essaie de se rappeler de tout. Volaille. Oui, donc ça devient alpiniste, ouais, ok. Et on fait des allers-retours. Et là, épaule, verge, papillon. C'est le début du niveau 38 qui dure 15 ans, là. Où je me trompe toujours. Épaule, la réponse est épaule. Droite, gauche, gauche, voilà. Bref, voilà. Le chemin. Bartholdi. Mundo. Ah, c'est peut-être chat, chat. Non, c'est pas chat. Ça, c'est faune. Je sais même plus.
Je sais même plus. C'est quoi déjà? Je l'avais trouvé. Je m'en rappelais tout à l'heure. Hein. 2 heures après, c'est fini, quoi. La blague. Bon, ça nous a pas aidé. On continue. Celle-ci aussi est vraiment super, mais je dois avouer qu'après avoir vécu une bonne quarantaine d'énigmes à scruter l'esprit de notre cher ami, j'ai pour une fois percuté assez vite, encore bravo. Ok, bon ça c'est bien, hein. Les gens ils ont l'air d'être contents de celle-ci. Hein. Moi j'ai du mal à saisir, mais... J'ai beaucoup aimé les clins d'œil pour les plus fouineurs d'entre nous. Du coup les plus fouineurs d'entre nous, c'est le clin d'œil, il est où là? Épaule chat. Faut que je cherche dans le code encore. Dans le chat. Je suis dans le code encore une fois. Bon. Si c'est pas le plus fouineur, c'est peut-être aller chercher dans le. Ouais. 1 minute 30 pour faire celle-là. Bon, alors du coup, l'aide du niveau 44 est où? C'est là. C'est là. Indice, aucun indice. Pour moi, c'est ça qui est fou, c'est que ça, c'est un sol. Le fond, là. Aucun indice. Faut-il faire du traitement d'image? La texture de la porte est embêtante si c'est le cas. Non, pas sur la porte, en tout cas, la porte est un symbole. C'est ma porte d'entrée quand vous venez me voir. Les alentours, la porte à pousser n'est pas un texte, c'est l'indice final. Plus d'indices après ça. Inspecter les alentours. Je peux regarder à gauche, je peux regarder à droite. Non, bah non. Non, mais où le chat? Attends, c'est sa porte d'entrée. La pousser, monsieur. C'est écrit dans la règle du phare. Avant de poser une question, faut essayer. Si la lumière fait allusion à ce que je pense, tu l'as déjà utilisé plusieurs fois dans d'autres énigmes. Ah, maison de Swan. Est-ce que ce serait pas de. Je sais pas. Je ne vois pas du tout quel indice ça nous donne. De l'autre, comment s'appelle la phrase de l'autre côté de Swan, hein, c'est de l'autre côté. Comment s'appelle le truc de Musset? Alfred de Musset. À côté de chez Swan, là. Je sais pas quoi. C'est ça. Hein. C'est Musset ou je suis bête? Non, c'est l'autre là, c'est celui qui écrit pendant 15 ans. Comment il s'appelle déjà? Swan, à côté de chez Swan, à côté de. Je l'ai lu en plus, c'est ça le pire. Je sais même plus comment il s'appelle. Du côté de chez Swan. Non mais sérieusement, Dave, pourquoi? Mais c'est Proust, je suis bête. Alors du côté de chez Swan, du coup, ok. Je le vois très bien deux ou trois bizarreries sur la première image, puisqu'il y en aurait deux, mais avec une peinte. Avec. Paint, je lui fais subir tout ce que je veux pour le moment sans succès. Par contre, j'ai vu dans les tutos quelque chose sur Photoshop parce que ça veut dire qu'il faut Photoshop pour certains ennemis. Finalement, pas besoin de l'acheter. Est-ce qu'il faut cliquer de quelque part pour allumer la lumière? Non, mais ouvre-toi Wikipédia, s'il te plaît. Oh là là. Allez, ah, bah ça y est, c'est fini. Je sais pas pourquoi, mais. Au bout d'un certain temps, je crois que c'est au bout de 2 heures et il me dit que la loupe elle est finie. 2 heures de loupe, c'est peu en fait. Non, il faut juste savoir où aller. Bah, du côté de chez Swan en fait. Apparemment, sachant que je suis déjà rentré sans la porte, mais c'est pas clair en fait. C'est vraiment pas clair. Et pourquoi là ça rame? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Wikipédia tu veux plus? Merci.
Et le premier volume du roman de Poussin, Marcel Proust, autant à la recherche du temps perdu, c'est très très c'est très, c'est une très bonne blague, je trouve. C'est où chez Swan? À Combray? Non. C'est aussi dans Combray qu'apparaît le personnage de Swan. Et c'est dans une. Avec deux M. C'est dans cette partie de l'ouvrage que naît la fascination du narrateur contre les guermantes qui ne le quittera qu'une fois qu'il aura pénétré ce milieu qui lui semble si inaccessible et merveilleux. Ouais. Et du côté de chez Swan, du coup, c'est où? Comment qu'on ouvre? Alors, j'ai bien trouvé l'éclairage où l'on m'a dit que ce n'était pas ici. J'ai repéré un truc, c'est sûr que la répétition. C'est que sur la répétition, il manque une phrase à un des paragraphes. Parce que c'est intéressant. Au-delà de ça, je ne vois pas trop dans quelle direction elle est. Ok, donc on parle d'un texte, d'éclairer le texte. Je vais mettre du côté de ses choix. Non. Je vais mettre le titre et la porte. Mettre la porte. Voir si on trouve quelque chose. Porte. Est-ce qu'il y a une histoire avec une porte? Ah, il n'est pas nécessaire d'être arrivé à ce niveau. Si je peux apporter un autre indice, c'est que pour répondre à cette énigme et savoir ce qu'il faut faire, sauf faut voir, il n'est pas nécessaire d'être arrivé à ce niveau. Chercher la lumière ne sert à rien quand tout est vraiment trop sombre, il y a une autre façon de mieux voir. Bah de zoomer en fait. Ouais, on va zoomer. On zoome. Regardons toute cette porte de près. Alors moi je vois plus de pixels, je sais que vous voyez peut-être pas grand chose. Elle est bien cette porte. Ouah, mais qu'est-ce qui se passe là? On va regarder la tête de lion, parce que je pense que la tête de lion, ça joue quelque chose. Regardez la tête. Lion, tête de lion, qu'est-ce que vous voyez quelque chose? Moi non, je vois des pixels sur des pixels, des pixels sur des pixels. On va regarder le logo, j'affiche tout, je zoome. On va passer par la porte d'en bas. Et voilà, on zoome. Qu'est-ce qu'on voit? Pas grand chose. Pas grand chose. J'ai pas encore zoomé sur le. Zoomons sur la porte d'entrée. Je crois que j'ai pas zoomé sur ça encore. Si. Le truc, c'est que je peux pas cliquer et en même temps zoomer. C'est un peu compliqué ça. Alors, du côté de chez Swan, la porte. Ça nous fait un peu de révision. J'appuie tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt à minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage est dû accoucher, et a dû coucher dans un hôtel inconnu. Réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte un ray de lumière. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés et pourront sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru à entendre des pas. Les pas se rapprochent puis s'éloignent. Et le ray de jour qui était sous sa porte a disparu. Eh bien, on va regarder sous la porte. Regardons sous la porte. Je pense que c'est... Le ray de jour.
C'est ça la durée du jour. Sinon encore. Encore. Un peu plus. Eh bien, je ne vois rien, monsieur Musset. Proust. Alfred de Musset Proust. Je ne vois rien. Monsieur Swan. Donc du coup, on continue. Pourtant, j'ai trouvé la lumière, même Google en est une. Aucun rapport avec la chanson, je me suis posé la même question. Ah, mais non, c'est référence à Dave. Aucun rapport avec la chanson, je me suis posé la même question. Et j'ai même pensé à Marcel Proust, oui, bah oui. À propos, je ne sais pas pour les autres, mais je pense que Google n'est d'aucune utilité avec cette énigme, pas besoin de faire le tour du monde quand la clé de chez soi est sous le paillasson. Ok, c'est ça. Faut que je déplace ça, faut que je déplace ça, faut que je déplace ça. Je peux pas déplacer votre truc là. Oh là là. Je vais dézoomer. Zoom arrière. Non, je peux pas. En arrière. Non. En avant. Je peux pas non plus. Paramètres. On peut. Ça changera rien. On continue. Avec un ordinateur portable, c'est plus facile. Voilà, bonne chance. Bravo à toi. Alors attendez, je vais vous montrer toutes les luminosités qui existent là dans mon monde. Avec un ordinateur portable, je vois pas ce qu'on peut faire beaucoup mieux avec l'écran que j'ai, mais je regarde. Et je vois le reflet sur le retour. Mais pour moi, c'est le seul en fait, c'est ça qui est fou. Je sais plus pourquoi je suis. En regardant le truc, j'ai l'impression que c'est un seul. Et ça, c'est le paillasson, regarde, c'est pile la taille, comment ça se fait? C'est ça le paillasson? Vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Bah oui. Et du coup, ça m'aide à quoi? À rien. Ok, bonjour. Le fait que ce soit encore Noël à certains endroits pose-t-il problème pour cette énigme? Non, pas du tout. Tu n'es, à mon avis, juste pas bien fait la lumière sur cette sombre porte. S'il ne se passe rien, c'est que tu t'es trompé de porte ou que tu as mal éclairé. Non, pas sur la porte. En tout cas, la porte est un symbole. En fait, c'est la page, quoi. C'est ma porte d'entrée quand vous venez me voir. Bon, on va regarder encore le... Je fatigue, hein. Je fatigue de foufoufou. Allez, hop, on retourne dans le code. Je tape room en haut, ça me donne quelque chose. Hein. Genre pour voir si c'est chat room ou une blague comme ça. Ouais. Bon. Ça fait 2 heures, je crois qu'on va s'arrêter. On va essayer de continuer la semaine prochaine demain. J'allais dire la semaine prochaine, mais on ne peut plus. Oh mon dieu. Je vais essayer d'avancer quand même vite fait sur celle-ci, parce que si on est bloqué sur celle-ci, demain c'est compliqué. Une métaphore. Une fois alors en littérature, on parlerait d'une métaphore, c'est bien trouvé ça. Une fois la bonne porte trouvée, le bouton pour allumer la lumière n'est pas loin. Alors du coup, ça c'est pas la bonne porte. Et comment je... Quoi? C'est pas le chat? Attendez, on va justement. On va prendre ça. Je suis pas sûr qu'on trouve, hein, mais on sait jamais. Non, c'est pas comme ça.
C'est marrant parce que j'ai juste tapé ça et je trouve une direct dessus. Enfin, moi aussi j'ai du mal à trouver la porte, faut admettre que c'est vachement tordu. Je me permets de à dire à ceux qui cherchent encore modérateur, veuillez y virer son poste si j'en dis trop. Relisez bien l'indice de AFID, encore et encore, mettez-le en lien avec celui de Swan. Comment est-ce que je viens rendre visite à Swan? Ben comme ça. Bah par le chat quoi. Normalement quand rien ne me saute aux yeux, je laisse passer un peu de temps et quand je reviens ça ressort direct sauf pour cette moitié dans laquelle je ne vois absolument rien, ni de lumière d'eau, on perd juste le texte facile à trouver. Le titre, c'est encore la lumière de la solidité. C'est encore une histoire de sélection. Non pas sur la porte, en tout cas la porte est un symbole. C'est ma porte d'entrée. Est-ce qu'on peut sélectionner ça? Je suis pas sûr. Non. Rien à sélectionner ici. Et ici. Non. La lumière, c'est ça, je pense. Tu es au bon endroit, mais la réponse n'est pas dans ce texte, personne ne demande. Inspecter les alentours, la porte à pousser n'est pas en texte. C'est l'indice final. C'est l'indice final. Je clique partout. Je veux savoir absolument. Je ne peux plus. Je suis fatigué. Donc la porte est un symbole. On est d'accord. On est au niveau 44. Énigme épaulechat.html. Donc du coup, si on a envie de discuter avec Swan, on peut lui dire bonjour, c'est dans le forum. Alors attendez, on va recontinuer notre pérennisation sur les messages. Number one, j'aimerais dire qu'avec un ordinateur c'est plus facile, je sais pas. Bonjour, oui, c'était. S'il ne se passe rien, c'est que tu t'es trompé de porte ou tu étais mal éclairé. Il faut trouver ici la porte du terrain de jeu dans le sens figuré du terme, puis allumer la lumière. J'essaye, ça donne rien. Alors que je vous explique ma situation, je suis en place sur portable, donc selon quelqu'un, ça devrait être plus simple. Il est vrai que une énigme, il m'a été facile d'allumer la lumière et de bien voir ce qu'il y avait à voir, mais là je sèche. La porte serait un symbole, je pense avoir compris, je ne me sens pas sûr, il faudrait aller à la porte de Swan. Je crois aller à la bonne, mais je ne trouve pas de bouton. Pourtant moi, quand j'entre dans ma chambre, par exemple, le bouton est à côté de la porte, il n'y a rien qui a pu... Mais là, pas de bouton, pas de lumière. Il y a des boutons ici. De quoi il me parle? Pourquoi il me parle de boutons sur les côtés? On s'en fiche en fait de ça. Je comprends rien. La porte de l'énigme est un symbole, certes, mais tout comme porte de chez Swan. Il existe des synonymes plus adéquats pour trouver le vrai sens de porte. Quant à Swan, pense à son œuvre qui t'a permis d'être ici aujourd'hui. La porte, d'ouverture facile. L'entrée, d'ouverture facile. Faut que j'aille à l'entrée, d'ouverture facile, j'imagine. La porte, d'entrée. Je teste tout. Hop. Bien dit donc, ça a l'air bien. ça a l'air bien fatigant. Ouvrez l'œil. Et l'œil. Ah, comment s'appelle les œillères là? Comment s'appelle le truc qui est dans les portes pour regarder? Comment on fait pour regarder dans l'œil? Il y a un œil là, parce que moi je vois pas un œil. L'œil dans les portes, je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles, mais je vois à peu près. C'est une porte, il y a un œil. J'ai donc a priori, je viens de redécouvrir ce site excellent, mais pour la première fois jusqu'à présent, je n'arrive pas à résoudre ce fichu. J'ai donc a priori compris de quelle porte il s'agit. Cependant, je ne vois pas trop comment l'éclairer afin de trouver sans doute l'indice qui me permettra d'avancer. Et vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Cette phrase n'est pas correcte grammaticalement parlant. Bah oui, ça, je vais situer.
Donc ma question est, est-ce qu'il s'agit d'un code ayant un sens caché ou juste une erreur de français? Je me perds un peu. Je pense savoir de quelle porte on parle, mais j'ai beau ignorer, je ne trouve rien. Même pas la phrase me disant que je ne cherche pas au bon endroit. Pourtant, pour aller rendre visite à Swan, je n'ai qu'une solution. J'ai une manière d'allumer la lumière en combinant deux touches de mon clavier, mais apparemment, ça ne me donne rien. Ou alors, je n'ai ni la porte, ni la bonne porte, ni la bonne manière. As-tu lu ce sujet? Je me permets d'en douter, étant donné. Mais... si j'ai bien lu le forum. Et j'ai cherché un bouton, j'ai bien un truc qui pourrait me faire penser à un bouton, mais je ne suis pas sûr de mettre un dessus dans ce sens. Enfin, quand je clique sur le bouton et que je devrais le trouver, je suis censé obtenir quoi la réponse dans l'indice. La question ici, c'est concernant les multiples lunaires qu'on peut trouver dans le commerce. Waouh, le flou total pour ce niveau, je cherche pas moyen d'avancer. Sans donner la solution, il est dur d'en dire plus que ce qui a déjà été dit. Pense métaphore, aie confiance en ton instinct, cherche ailleurs, scrute, et écarquille les mérites n'importe où, la logique et le bon sens te guident. J'étais presque prêt à me lire du côté de Jason, tant je suis perdu avant que je lise un post plus haut qui m'en a dissuadé. C'est une énigme, me perd complètement, impossible de passer ne serait-ce qu'une première étape parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs, mais elle me plaît. J'aime bien le ramener. Étant utilisateur Mac, y a-t-il des indices dont je ne devrais pas tenir un compte? Bon, voilà, si, j'ai réussi cette énigme, trouver les clés de la porte et je suis à l'énigme suivante. Pourtant, quelque chose me tracasse, je ne trouve pas un indice textuel annoncé par plusieurs personnes au forum. Je n'ai pas changé l'ampoule de la porte, mais elle fonctionne toujours. Si tu veux y regarder de plus près, tu devrais prendre de meilleurs outils, bien outils, et vérifier que tu trouves bien la porte, la bonne porte. Et vas-y donc, c'est compliqué, hein. Alors, j'ai vu que la clé, ça pouvait être, je sais pas, quoi d'autre, un mot de passe, quelque chose. L'histoire des indices en zoomant. Voilà, revenir en arrière pour chercher la clé. Et en même temps, t'es rentré là. Après, tu peux zoomer. Et après, l'indice, on est rentré ici. Compliqué, compliqué. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour l'instant, les gens n'ont pas l'air d'avoir en plus réussi à finir à temps. Ils ont pris quand même plus de 3 jours. Moi, j'essaie de le faire en moins d'une heure. Déjà, c'est compliqué. Là, j'ai fait 2 heures pour 2. C'est vachement dur. Je voulais regarder quand même le code pour être sûr de tout. C'est complexe. C'est complexe. Et je pense qu'on demain, on va se retrouver à la même heure. Parce que, même peut-être un peu plus tôt, histoire 2. Histoire 2, parce que voilà. Il faut avancer, il faut qu'on essaye de finir. Je regarde tout. Là, il y a des, je regarde même les pubs dans l'indice, hein, pour dire. Voilà. Vous êtes entré par là sans avoir la clé. Sans avoir besoin de la clé. Du coup, je suis rentré dans le site. Sans avoir besoin de la clé, ça j'ai bien compris, mais du coup. Qu'est-ce que c'est que la clé? Eh bien voilà, nous sommes bloqués à la porte d'entrée. Je pense que c'est le début de la fin après. Je pense que ça va être bien de finir demain, tranquillement. Pas du tout. Pas du tout tranquillement. Je pense qu'on va devoir un peu se presser pour essayer de finir. Oui, en personnel best, hein, bien sûr. Voilà, j'ai sauvegardé le truc, on a fait 2 heures, 47, on a vu qu'à partir du 46 c'était compliqué, voilà, c'est très dur, je sais pas combien, je sais pas si on a 93, je sais pas si on va arriver jusqu'à la fin, en tout cas on est à la porte, donc je vous laisse, bisous, à plus, j'espère que ça vous intéresse de faire tout ça. En plus avant la fin de Flash là on est le 30 donc demain c'est 31 demain on va essayer de faire aussi un peu de temps dessus, des bisous, je vais essayer de me reposer et réfléchir à ça, réfléchissez-y et revenez demain à peut-être à 14h, sans doute 14h, je pense 14h ça peut être cool, histoire d'avancer et de pouvoir essayer de faire quelque chose avec la fin de Ouverture Facile, parce que là, on est quand même bloqué à l'entrée. Voilà, donc des bisous, à plus, et...